Vous avez des amis? Vous avez beaucoup d'amis? Qu'offrez-vous à vos amis pour qu'ils soient un tel appui? Qu'offrez-vous à vos amis pour qu'ils soient un tel appui? Qu'offrez-vous? Une conscience consolidée réside dans une salle de banquet assombrie, près du plafond d'un esprit dont le parquet bouge, comme Tib il Kaffar. Quand entre un ray de lumière, comme toutes les pensées en un moment d'entente s'unissent au corps, sans plus de répulsion, comme les cafards portent une vérité que personne jamais ne profère. J'ai connu une nuit où tout me fut révélé. Comment est-ce que je peux encore parler? L'hermaphrodite brisé, qui ne se fiait qu'à il-même, découvre qu'en réalité, ça grouille bien dans la pièce et implore de ne jamais se réveiller du cauchemar. Et ils étaient tous là, le premier au dernier, et ils savaient mon nom quand je filais comme un insecte au dos de leur chaise. Rappelle-toi la lumière et crois à la lumière. Un instant de clarté avant la nuit éternelle. Il faut pas que j'oublie. Je suis triste. Je sens que l'avenir est sans espoir et que tout ça ne peut pas s'arranger. Je suis un échec total sur le plan humain. Je suis puni. Je suis coupable. J'aimerais me tuer. J'étais capable de pleurer avant. Mais je suis maintenant au-delà des larmes. J'ai perdu tout intérêt pour les autres. Je ne peux pas prendre de décision. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas penser. Je ne peux pas vaincre ma solitude, ma peur, mon dégoût. Je suis grosse. Je ne peux pas écrire, je ne peux pas aimer. Mon frère est mourant, mon amour est mourant. Je les tue, tous les deux. Je fonce vers ma mort. Je suis terrifiée par les médicaments. Je ne peux pas faire l'amour. Je ne peux pas baiser. Je ne peux pas rester seule. Je ne peux pas rester avec les autres. Mes hanches sont trop fortes. J'ai horreur de mes organes génitaux. À 4h48, quand le désespoir fera sa visite, je me pendrai au son du souffle de mon amour. Je ne veux pas mourir, mais je me suis trouvée si déprimée par le fait d'être mortelle que j'ai décidé de me suicider. Je ne veux pas vivre. Je suis jalouse de mon amour qui dort.
et lui convoite son inconscience artificielle. Quand il s'éveillera, il m'envira ma nuit à penser sans dormir. Et ma parole que les médicaments ne brûlent pas. Je me suis résignée à la mort cette année. Il y en a qui parleront d'autocomplaisance. Ils ont bien de la chance de ne pas en connaître la vérité. Il y en a qui reconnaîtront le simple effet de la souffrance. C'est là ce que devient mon état normal. Bien noir, bien amer. Je la retrouve, cette odeur d'hôpital, dans un nuage de vieux tabac. Et quelque chose me touche à l'endroit où ça sanglote encore. Et une honte depuis longtemps, enterrée, clame, infecte putréfaction, sa peine. Chambré de visage inexpressif qui ouvre des yeux vides sur ma souffrance, si dépourvue de signification qu'il doit y avoir là une intention malveillante. Docteur Si et Docteur Sa et Docteur C'est quoi qui fait juste un saut et pensait qu'il pouvait aussi bien passer pour en sortir une bien bonne. En feu, dans un tunnel, brûlant de consternation, mon humiliation est totale. Quand je tremble sans raison et trébuche sur mes mots et n'ai rien à dire sur ma maladie, qui se résume à savoir qu'il n'y a absolument rien à faire puisque je vais mourir. Et je suis acculée par la douce voix psychiatrique de la raison qui me dit qu'il y a une réalité objective où le corps et l'esprit ne sont qu'un. Mais je n'y suis pas et je n'y ai jamais été. Docteur Si l'écrit et Docteur Sa s'essaye un murmure compréhensif. Et tous deux me regardent, me jugent. Flair l'échec débilitant qui me sointe des pores. L'emprise de mon désespoir, la panique dévorante qui m'inonde, tandis que je fixe épouvanté le monde et demande pourquoi ils sont tous là, à me regarder, à me sourire, tout en ayant secrètement connaissance de la honte qui me fait mal. Bésamé! Bésamé mucho, como se fue esta noche la última vez. Bésamé, bésamé mucho. La 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 la. La honte! La honte, la honte. Noie-toi dans ta putain de honte. Médecin impénétrable. Médecin raisonnable. Médecin excentrique. Médecin que l'on prendrait pour des putains de patients.
et qui pose les mêmes questions. Parle à ma place. Propose des remèdes chimiques contre l'angoisse congénitale et se protège mutuellement leurs arrières de merde. Si bien que je finis par vouloir hurler pour que vous veniez, vous, le seul médecin à m'avoir jamais touché de votre plein gré, à m'avoir regardé dans les yeux, à avoir trouvé amusant mon style d'humour noir et ma voix d'outre-tombe toute juste creusée, à en avoir sorti une bien bonne lorsque je me suis rasé la tête, le seul qui ait menti et dit que c'était un plaisir de me voir, qui ait menti et dit que c'était un plaisir de me voir. Je vous ai fait confiance, je vous ai aimé. Et ce n'est pas vos pertes qui me blessent, mais vos putains de fiefs et bobards déguisés en commentaires vides. Votre vérité, vos mensonges, pas les miens. Et alors que je croyais que vous étiez différent, et que peut-être même vous ressentiez la détresse qui passait parfois sur votre visage et menaçait de déborder, vous aussi, vous vous protégiez vos arrières de merde comme n'importe quel autre stupide salopard de mortel. Dans mon esprit, c'est la trahison. Et c'est mon esprit le sujet de ces fragments troublés. Rien ne peut éteindre ma colère et rien ne peut restaurer ma foi. Ce n'est pas là un monde où je souhaite vivre. Avez-vous des projets? Prendre tous les cachets, m'ouvrir les veines et me pendre. Tout ça en même temps? On risquerait pas trop de croire que c'est un appel à l'aide. Ça ne marcherait pas. Bien sûr que si. Ça ne marcherait pas. Vous auriez d'abord sommeil à cause des cachets et n'auriez plus la force de vous ouvrir les veines. Je serai debout sur une chaise. Un nœud autour du cou. Si vous étiez seul, pensez-vous que vous pourriez vous nuire? Je le crains. Ça pourrait faire barrage? Oui. C'est la peur qui m'éloigne du rail. Je prie simplement que la mort soit bien le putain de terminus. Je me sens comme si j'avais 80 ans. Je suis fatiguée. Et mon esprit veut mourir. C'est une métaphore, pas la réalité. C'est une comparaison. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas une métaphore. C'est une comparaison. Le propre d'une métaphore, c'est bien d'être réel. Vous n'avez pas 80 ans. Si? Si? Ou si? Est-ce que vous méprisez tous les gens malheureux? Ou est-ce que cela m'est-il réservé? Mais je ne vous méprise pas. Non? Non? Pas de votre faute. Vous êtes malade. Je ne crois pas. Non? Non. Je suis déprimée. La dépression, c'est de la colère. C'est ce que vous avez fait. Qui se trouvait là? Et à qui vous en voulez? Et vous en voulez à qui? À moi! Corps et l'âme ne peuvent jamais être mariés. J'ai besoin de devenir ce que je suis déjà. Comment puis-je retrouver la forme maintenant qu'est partie ma pensée formelle? Ce n'est pas une vie que je pourrais approuver. Ils m'aimeront pour ce qui me détruit.
Chaque compliment m'ôte un bout de mon âme. Une tête de mule expressionniste, ruminant entre deux bouffons. Ils ne savent rien. J'ai toujours marché libre. La dernière d'une longue lignée de kleptomanes des lettres. Une tradition séculaire. Voler, c'est l'acte saint. Rien qu'un mot sur une page. Et le théâtre est là. J'écris pour les morts. Pour ceux qui ne sont pas nés. Après 4h48, je ne parlerai plus. Je suis arrivée à la fin de cette répugnante histoire. Il y a longtemps que je suis morte. Retour à mes racines, je chante sans espoir sur la frontière. Réponds, s'il vous plaît, dès que possible. Parfois, je me retourne et retrouve votre odeur. Et je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer, putain! Sans exprimer ce besoin physique que j'ai de vous. Et je ne peux pas croire que je peux ressentir ça pour vous. Et que vous, vous ne ressentiez rien. Vous ne ressentez rien? Vous ne ressentez rien? Et je sors à 6h du matin et me mets en quête de vous. Si mon rêve m'a indiqué une rue, une gare ou un métro, je m'y rends et je vous attends. Vous savez, j'ai vraiment le sentiment d'être manipulée. Je n'ai jamais eu de problème dans ma vie pour donner aux autres ce qu'ils veulent. Mais personne n'a jamais été capable d'en faire autant. Personne ne me touche. Personne ne s'approche de moi. Mais vous, vous m'avez touché si profondément, putain! Je n'arrive pas à le croire. Et je n'arrive pas à l'être autant. Parce que je n'arrive pas à vous trouver. À quoi elle ressemble? Et comment je la reconnaîtrai quand je la verrai? Elle mourra! Elle mourra! Elle mourra, putain, et c'est tout! Croyez-vous qu'il est possible de naître dans le mauvais corps? Croyez-vous qu'il est possible de naître à la mauvaise époque? Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre! Va te faire foutre puisque tu me rejettes en n'étant jamais là! Va te faire foutre puisque tu me saignes à blanc de l'amour, putain, et de la vie. Que mon père aille se faire foutre puisqu'il a foutu ma vie en l'air pour de bon. Que ma mère aille se faire foutre puisqu'elle ne l'a jamais quitté. Mais surtout toi, Dieu, va te faire foutre puisque tu me fais aimer quelqu'un qui n'existe pas. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre! Tailladé. C'est une façon très immature d'attirer l'attention. Est-ce que ça vous a soulagé? Non. Est-ce que ça a soulagé l'attention? Non. Est-ce que ça vous a soulagé? Est-ce que ça vous a soulagé? Je peux regarder? Non! J'aimerais regarder pour voir si c'est infecté. Non! Je me disais bien que vous risquiez de le faire. Beaucoup de gens le font. Ça soulage l'attention. Vous l'avez déjà fait? Non! Pas avec un tel putain d'équilibre! Je sais pas où vous l'avez lu, mais ça ne soulage pas l'attention! Pourquoi ne me demandez-vous pas pourquoi? Pourquoi
je me suis tailladé le bras? Aimeriez-vous me le dire? Oui. Alors dites-le-moi. Demandez-moi pourquoi! Pourquoi vous êtes-vous tailladé le bras? Parce que ça fait une putain de sensation! Parce que ça fait un putain d'effet! Je peux regarder? Vous pouvez regarder, mais ne touchez pas. Oh, et d'après vous, vous n'êtes pas malade? Non. D'après moi, si. Mais ce n'est pas votre faute. Vous devez assumer vos actes. S'il vous plaît, ne recommencez pas. J'ai peur de perdre celle que jamais je n'ai touchée. L'amour me tient en esclavage dans une cage de larmes. Je me mords la langue qui jamais ne peut lui parler. Une femme me manque qui n'est jamais née. J'embrasse une femme par-delà les ans qui disent que jamais on se rencontrera. Tout passe, tout périt, tout pâlit. Ma pensée s'éloigne avec un sourire meurtrier et laisse la discordante anxiété rugir dans mon âme. Pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir, pas d'espoir. Une chanson pour mon aimé, touchant à son absence. Marée de son cœur, éclat de son sourire. Dans 10 ans, elle sera toujours morte. Pendant que je me débrouillerai avec, pendant que je vivrai avec, pendant que des jours passeront, je n'y penserai même pas. Elle sera toujours morte. Elle sera toujours morte. C'est terminé. Putain, c'est tout. Et je dois tenir toute seule. Mon amour, pourquoi m'as-tu abandonnée? Elle est la couche où jamais je ne m'étendrai. La vie n'a aucun sens à la lumière de ma perte. Bâtie pour la solitude, pour aimer l'absente. Trouve-moi, libère-moi du doute corrosif. Désespoir futile, horreur au repos. Je peux remplir ma place, remplir mon temps, mais rien ne pourra remplir ce vide-là dans mon cœur. Ce besoin vital pour lequel je mourrai. Dépression! Pas de si ni de mais. Je n'ai dit ni si ni mais, j'ai dit non. Peux pas, doit jamais, obligé de toujours, ne voudra pas, fera, ne fera pas, les non négociables, pas aujourd'hui. S'il vous plaît, ne m'éteignez pas l'esprit en essayant de me remettre d'aplomb. Mais écoutez, et comprenez. Et quand vous ressentirez du mépris, ne l'exprimez pas. Du moins pas verbalement. Du moins pas à moi. Je ne ressens pas de mépris. Non? Non, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. C'est tout ce que j'entends. Ce n'est pas votre faute.
C'est une maladie. Ce n'est pas votre faute. Vous me l'avez dit tellement souvent que je commence à penser que c'est de ma faute. Ce n'est pas votre faute. Je sais. Mais vous l'autorisez. Non? Il n'y a pas une drogue sur cette terre qui puisse donner un sens à la vie. Vous autorisez ce non-sens désespérant. Vous l'autorisez. Je ne serai pas capable de penser. Je ne serai pas capable de travailler. Rien ne viendra entraver votre travail, comme le suicide. J'ai rêvé que j'allais voir mon médecin et qu'elle me donnait 8 minutes à vivre. J'ai passé dans sa putain de salle d'attente une demi-heure! Allons-y! Allons-y pour les drogues! Allons-y pour la lobotomie chimique! Fermons les parties supérieures de mon cerveau! Et peut-être que je serai un peu plus foutue de vivre! Allons-y! Abstraction jusqu'au désagréable! Inacceptable! Inintéressant! Impénétrable! Impropre, irrespectueux, irreligieux, impénitent, détestation, dislocation, désincarnation, déconstruction. Si cela se produisait, je n'imagine pas clairement qu'une âme au monde pourrait, voudrait, devrait, ou voudra. Et si cela se produisait, je n'imagine pas clairement une autre âme, une âme comme la mienne, pourrait, voudrait, devrait, voudra, insubordonnée. Je sais ce que je fais bien, trop bien, rien d'un orateur né. Irrationnel, irréductible, irrachetable, méconnaissable, en déraillement, en dérangement, déformé, forme spontanée. Obscur jusqu'au vrai. Juste. Correct. Quelqu'un ou quelqu'autre. Chacun, chaque, tous. Noyant dans un océan de logique ce monstrueux état de paralysie. Toujours malade.